Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia, The Strongest Hero, et je vais vous présenter ce personnage qui est incroyable en PvE, même s'il n'est pas si fou que ça en PvP, il reste quand même un bon perso pour le PvP, pour le PvE. Je l'appelle le bourrin, aka l'art est explosion, comme pour des dards. Avant de commencer le petit showcase en PvP, en PvE, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous pensez de ce type de contenu en commentaire. Également, il y a un concours qui se passe sur le Discord du jeu, le Discord FR, que je mettrai dans la barre de description et en commentaire. Et tout sera en place d'ici quelques heures. La page Twitter a été créée également. Si vous voulez plus d'informations concernant le concours, rejoignez le Discord et vous verrez par vous-même. Sur ce, on commence tout de suite le petit showcase du petit Bakugo, aka le bourrin explosif. Sur ce, go! Allez, on va voir ce que ce perso va donner. Enfin, j'ai déjà testé, donc je l'ai niveau 50, maxé. Par contre, j'ai oublié d'équiper ces cartes. Enfin, ces cartes. Les nouvelles cartes que j'ai drop juste avant. Donc, on est obligé de suivre ce système. Donc, enfin, cet enchaînement. Vous savez quoi, on va se mettre en mode auto pour aller plus vite. Et une fois arrivé à Bakugo, on va enlever le mode auto pour vous montrer un peu le gameplay et ses dégâts. Réellement, ce perso il est pas foufou pour pour le PvE, mais par contre pour le PvP il est incroyable. Ida Tenya est incroyable pour le PvE, pour le PvP. Hein. Comme vous le voyez, il fait pas assez de dégâts. Après, c'est normal, c'est un rang A, bien sûr. Il faut pas s'attendre à des dégâts incroyables, hein. Normalement là c'est le dernier. Ok, mais on va passer à Bakugo a priori ici maintenant tout de suite. Et je vais vous montrer un peu le potentiel et ses dégâts colossaux. Ça dit colossal, colossaux, colossaux. Ah mais non, pas encore. On va passer à Denki. A priori lui c'est plus rapide. C'est un gros DPS que j'ai monté S. En vrai, son gameplay est très joli à voir, hein. Il est très très beau. Mais après, il reste quand même un perso assez squishy pour le PVP. Surtout si vous tombez contre un Tenya qui fait que dash en avant, enfin qui a énormément de dash. Il a lancé. Ouais, le mode auto en vrai il est pas si fou que ça. Ouais, il est pas si fou que ça le mode. Enfin, après, je pense qu'il joue mieux que certains vrais joueurs.
Là, on va passer au gameplay de Bakugo. Vous allez voir par vous-même que ces dégâts sont incroyables. Donc on enlève le mode auto. Regardez, hein. 3800. L'enchaînement des explosifs à courte portée. Mine de rien, il fait énormément de dégâts. Vous allez voir une fois que j'aurai l'ulti. J'espère que c'est pas le dernier. Ok, c'est pas le dernier. Donc je peux encore charger l'ulti. C'est juste pour vous montrer les dégâts de l'ulti qui sont vraiment incroyables. On va faire ça. Et là, on va utiliser ça. Et là, j'ai même pas enlevé sa garde en vrai. Hein. J'ai même pas enlevé sa garde. Je suis à du 15k. Je suis à du 15k de dégâts sans enlever sa garde. En vrai, j'aurais dû le garder pour ce boss là. Même en termes de dégâts basiques, comparé à Aida, on n'est pas du tout au même niveau. Hein. C'est en vrai, c'est vraiment pas mal comme perso pour le PvE. Hein. On n'est pas au même niveau que Shoto ou Midoriya. Hein. Enfin, que Shoto ou Momo. Mais ça reste vraiment un perso très intéressant pour la suite. Pour le PvE, pour les boss et tout. Là, je vais vous montrer, vu que j'ai chargé son truc à moitié, je vais vous montrer un peu son niveau sur un boss final. Ah non, donc ça se remet à zéro donc. Ok. Mine de rien, elle fait quand même assez de gros dégâts. Hein. C'est pour ça que je la trouve stylée. Regardez, hein. Regardez maintenant les dégâts. C'est vraiment pas mal, hein. On est déjà à du 15k. Surtout que c'est des dégâts de zone, donc on peut monter à du 35-40k facile quand il y a plusieurs mobs. Mon record c'est du 33k avant-hier, si j'ai pas de bêtises. Hier, ouais, c'était hier. C'est hier que je le drop. Donc voilà, c'était le test du Bakugo. Son gameplay, il reste quand même assez basique. On n'est pas sur du Shoto ou du Momo comme je dis.
Mais c'est un perso assez intéressant pour les PvE qui peut qui frappe en zone sur de la courte portée et qui plus est assez tank comparé à Shoto. Après, il reste largement plus tank que Ida. Ida, c'est pas un bourrin, mais il tank assez bien pour ces événements. Pour les boss plutôt. Donc voilà, c'était juste le petit test du petit Bakugo aka le bon explosif. Sur ce, je vous dis ciao et rejoignez le Discord pour être au courant du concours qui se déroule pour les 250 membres atteints en l'espace de 3 jours. Sur ce, peace, prenez soin de vous et à ce soir pour un live. Ciao, ciao.